Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et c'est totalement gratuit. Nous sommes mercredi 19 octobre 2022, c'est parti pour une vidéo à Lidl de Valenton. Tiens, les plantes, le mercredi, il y a un arrivage de plantes. On a un pack de 3 mini cactus à 2,69. C'est trop mignon. Alors, il y a plusieurs... Ah non, à chaque fois, il y a 3 couleurs différentes. Des phytonias en pot déco à 4,59. Alors, bégonia ou peperomia, 8,99. Ah, je ne savais pas que le bégonia était sous cette forme-là. Je voyais des feuilles un peu plus... pas comme ça. Plante exotique céramique Cancun. Donc on a ça, on dirait de l'aloe vera, le petit ananas et cette plante très jolie rose, 4,59. Alors, je vous montre les pots. On a le vert, orange et jaune. L'une des thématiques aujourd'hui, c'est Halloween et les produits bio. On a les seaux tête de mort à 4,19, donc rempli de bonbons. On a la citrouille, on a ceux-là. Tiens, dans ceux-là, il y a des Mentos, Chupa Chups, Pez, Kit Kat. Ils sont à 4,29€. Les packs tricolores, 1,19€. Les biscuits apéritifs, 99 centimes. On a 1 kg de bonbons pour 3,79. Et après, on a ce mélange à 4,79 et 1 kg. Et on a la vraie courge d'Halloween à 3,99. On reste dans la courge, potimarron, enfin dans la citrouille, potimarron 2,99, ça c'est très bon dans une soupe ou tout simplement coupé en tranches, doré au four avec un petit trait d'huile d'olive et quelques épices ou simplement du gros sel. Il y a encore d'autres articles Halloween, on les verra après. Le Daily Pocket version bio, 3 fromages. C'est 2,89. Moi, je sais que mes enfants, ils aiment bien les Daily Pocket comme ça, au fromage. De temps en temps, quand ils n'ont pas trop faim ou envie juste d'une petite salade, ça va, je crois, 2 minutes au micro-ondes. Et ils aiment bien. Alors, je dis ça, hein, là, c'est la version bio, mais il y en a aussi en version non bio, qu'on retrouve toute l'année. Bac crème glacée vanille de Madagascar, chocolat noir, 2,49, toujours bio. On a des épinards hachés à la crème bio, enfin c'est des épinards, qui sont bio aussi, hein. 3,19. Alors il y a une petite offre, hop, il y a 50% sur le deuxième, donc ça veut dire les deux paquets pour 4,78. Les pizzas bio, bûche de chèvre, 2,59, et on a la aux légumes. Alors celle-ci, la pizza bio aux légumes, elle est à 3,39. 3,39 les légumes et 2,59 bûche de chèvre. Les fruits surgelés bio, 3,39. On a les fruits rouges. Alors, il y a 300 grammes. Il y a la mangue et les myrtilles et les framboises. Les fantômes glacés, 4,49. Donc, c'est crème glacée vanille et caramel beurre salé en plus. Maison Prolena. Voilà ce que j'aime bien chez Lidl, c'est qu'à chaque occasion, chaque fête ou autre, chaque saison, ils ont toujours des glaces sur la même thématique et en général, elles sont pas mal. Et ça, je goûterais puisque chaque année, en plus, c'est quelque chose de nouveau. Et comme j'aime bien le caramel au beurre salé, il y en a 4. Toujours pareil, hein, je donne toujours le même conseil. Quand vous achetez des choses rayon surgelé, regardez comment les consommer. Celles-ci, il faut les sortir juste quelques minutes avant de servir. Alors, parce que des fois, il y en a qu'il faut sortir. Alors là, c'était une glace, c'était facile, mais des fois, il faut les sortir quelques heures avant ou des fois, il faut les passer au four. Donc, toujours regarder avant de les mettre au congélateur. Les nuggets
Halloween, 2,79. Ensuite, on a les potatoes en forme de fantôme. C'est 2,79. 99 centimes. 2,79, c'est les nuggets. 99 centimes. Quelque chose en général aussi que les enfants aiment bien. Alors ça, c'était sur la thématique de la semaine dernière, mais je vous les montre, c'est ça. C'est les frites spirales. C'est 1,59€. Côté beauté, cette semaine, on a cette gamme-là, cellule intense. La gamme cellule intense a l'acide hyaluronique. On a le sérum visage avec hyaluron et booster de collagène. 2,99€. On a le contour pour les yeux, pour tonifier le contour des yeux, 1,99€. On commence par la crème de nuit, raffermie et activation cellulaire, la crème de nuit. Et tu as 2,99€. Et la crème de jour, pareil, 2,99€. On a la gamme Diadermine avec la crème anti-rides, anti-à-jour, 7,75€. On a côté bio, ça tombe bien, on est dans la semaine bio, essentiel bio, la crème nourrissante nuit cette fois-ci, 6,48€, et la rose, c'est la crème de jour. La mousse démaquillante apaisante, 4,90€. Enrichie en prébiotiques d'origine naturelle. Et on a l'eau micellaire à 4,90€. Le coffret brosse à dents mignon, 7,99€. Donc, alors je pense que c'est le bonnet, ça, tiens. Donc, il y a la brosse à dents, le gobelet, le dentifrice. Ah non, c'est un jouet gonflable qui tient toujours debout. Et on a le Spider-Man. Et dedans, c'est un puzzle comme cadeau. Décolore Stop, 5,99€. Il y a 52 lingettes. Tiens, la tirelire Halloween, 3,19€. Les petites figurines d'Halloween, 1,99€. Ça peut être à croquer comme ça, ou vous pouvez très bien faire un simple gâteau au chocolat et mettre ça dessus pour décorer. Alors, je donne toujours l'astuce du gâteau au chocolat tout simple ou du 4 quarts parce que c'est assez simple à faire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément pâtisser, qui n'aiment pas cuisiner. Alors des fois on peut même tricher en prenant, vous savez, un gâteau déjà fait style 4 quarts, savane, ce genre de gâteau. Et puis après on fait une petite déco dessus avec du sucre glace ou des petites billes ou ça dessus, et ça fait toujours plaisir aux enfants. Parce que c'est vrai, des fois je vois, alors on a des super beaux gâteaux, on prend des heures à les faire, mais au moment de les manger, je peux vous assurer que les enfants, ils n'ont pas conscience de tout ça, du moment qu'il y a le goût du chocolat. Donc pour faire plaisir aux enfants, des fois il ne suffit pas de grand chose. Les marshmallows, 1,19€. Après vous avez les décorations, alors ça c'est vraiment pour les gâteaux en sucre. 1,29€, on a les yeux, on a la sorcière avec le fantôme. Les bonbons d'Halloween, alors c'est génial là parce qu'ils ont pensé à faire des sachets individuels. 4,69€, c'est des bonbons gélifiés aux fruits. On a un assortiment de mini barres de chocolat. 2,99€. Les peluches Halloween avec des friandises à l'intérieur. 4,79€. Les gars sont mignonnes, mais elles sont pas faites pour être mignonnes, elles sont faites pour être monstrueuses. On a un autre mélange, 3,79€, pareil, c'est des paquets individuels. Oh, quelque chose qu'ils aiment beaucoup les enfants, c'est les têtes brûlées. Donc Halloween party, donc il y en a un certain nombre et il y a toutes les têtes brûlées. C'est 4,99€. On a des petits biscuits aussi. Les dents de vampire, alors en général Halloween on a le droit aux dents de vampire et aux yeux, les yeux, tiens je les vois pas les petits yeux là. Lasagne bio bolognaise ou légumes, 3,19€. La pâte à pizza, 1,29€. Gorgonzola, 1,99€, on a de la mozzarella bufala à 2,19€, toujours bio, hein. Morbier, 200 grammes pour 2,99€. On a des canelés de Bordeaux bio à 3,49€. Scamorza fumée, 1,49€. Je ne connais pas ce fromage, donc je vois origine Italie.
Je me doutais pas avec le nom, mais tiens, j'aimerais savoir comment vous le dégustez. Est-ce que ça a dégusté comme ça avec comme ça ou avec du pain, ou est-ce que ça met dans une préparation particulière? Coco nature, 99 centimes. On a des boissons kéfir naturelles. Les yaourts nature, fraises, bananes, avec des céréales, 99 centimes. Fromage frais, 2,89. Skyr à la vanille, 2,19. On a des crèmes dessert bio, 1,09€ les 4. Yaourt au lait de brebis à la châtaigne, 1,59€. Du parmesan bio, 2,99€. Du riz au lait, il y en a 2 à 1,09€. On a des crêpes bio, 2,49€. Des tortellini bio, fromage aux fines herbes et tomates et fromage, 1,99€. Ah oui, le Saint-Félicien, 2,69€. Tourteau fromager du Poitou, 2,39€. Ça, c'est un gâteau moelleux au fromage frais. On a du fromage à raclette braisin, 3,69€. De la faisselle de Bresse moulée à la main, 2,01€. On a le gâteau creusois aux noisettes pur beurre, 2,49€. Les sablés normands aux pommes, 1,99€ à la crème fraîche. Ah, les dentelles de Bretagne, 1,19€. Le carré gourmand, le carré normand et gourmand au chocolat, 1,92€. On a les gaufres pur beurre, 1,69€. Des nonnettes à l'abricot à 2,59€. Ça, c'est bon, ça. C'est du pain d'épices. Hein. Si vous n'aimez pas le pain d'épices, c'est mal parti. Mais moi, j'aime bien. Alors, je suis pas fan forcément voilà, du pain d'épices en bar et tout, mais comme ça, j'aime bien. 2,59€. Et si vous aimez le goût sucré, ça, c'est pas mal. Les biscuits roses de Reims à 3,59€. Le jus de pomme cerise, 2,49€. Je regardais, c'est pas très rouge parce que je suis en train de penser, je suis restée sur Halloween. Si vous faites une petite collation Halloween, ça peut être sympa pour représenter le sang d'Halloween. Pur jus de pomme, 2,69€, Pink Lady. Ah bah tiens, pain d'épices, 2,99€, pain d'épices pur miel France. Les oreillettes, donc c'est un goût d'orange et vanille, 1,99€. Le Trouvillet citron amande, 1,89€. L'apéritif normand mimolette. Je vois qu'il y a camembert aussi. 1,80€. Je pense que ça a goûté quand même. Hein. Alors je dis quand même, pourquoi je dis quand même? Parce que c'est vrai que quand on voit camembert ou mimolette, c'est pas des. En général, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de trouver en apéritif. Alors oui, on a des apéritifs au fromage. Mais là, moi j'aime bien le camembert. Je pense que je goûterais bien le camembert. Canistrelli au citron, 2,99€. Et à la clémentine, 2,99€ aussi. On reste en Corse avec je crois que c'est de la limonade. Non, boisson gazeuse artisanale, citron de Corse, 1,49€. Et on a aussi à l'orange. Pareil, c'est pas mal. Moi, des fois, j'aime bien me faire plaisir avec leurs boissons comme ça, que ce soit ça ou le jus de pomme. C'est vrai que le jus de pomme Pink Lady, il est à 2,69€ le litre. Mais ça vaut le coup de goûter de temps en temps. Ou tous les jours, si vous en avez envie, mais voilà. Donc, 1,39€ les 90 grammes de rouille à la sétoise. On termine par les fleurs. On avait commencé par les fleurs, les bulbes de fleurs. 5,99€. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.